Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure à Dakar au Sénégal. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Le Burkina Faso s'inspire de l'expérience malienne en matière d'organisation des élections. Une délégation de la CENI burkinabé était hier dans les locaux de Lège pour s'informer, comprendre afin de réussir le processus électoral au Burkina Faso. Une bonne formation pourrait favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est l'expérience que tente le nouveau projet dénommé Convention 2022-405. Pour sa mise en œuvre, 2 milliards de francs CFA sont débloqués. Décret made in Mali pour les écoles. Le président de la transition leur offre 800 cartons de crêpes blanches et en couleur. Elles sont produites par l'Union malienne des aveugles du Mali, le consommé malien en marche. Au Sénégal, le tribunal de grande instance de Dakar ordonne la réintégration sur les listes électorales de Ousmane Sonko. Cette décision pourrait relancer la candidature de l'opposant à la présidentielle de février 2024. Au Tchad, le gouvernement menace de ne pas payer les salaires de décembre des enseignants des écoles publiques en grève depuis 2 mois. Il réclame le paiement de leurs arriérés qui s'élève à plus de 500 milliards de francs CFA. En sport, les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs débutent demain vendredi à Djeddah en Arabie Saoudite. Ici au Mali, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi le samedi. La synthèse en fin d'édition avec Abdelkarim Kaba. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette 2e édition de Mali Actualité. Partons au Conseil économique, social, culturel et environnemental. Le président de l'institution ouvre ses portes à la délégation du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali. Conduite par sa présidente, la délégation a présenté à Yacouba Katilé sa feuille de route de sortie du CNJ de la crise. Elle ne connaît pas de crise, mais cherche plutôt un appui pour mieux assurer la couverture de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'Association des journalistes sportifs du Mali. La synthèse de ces audiences est signée Abdoulaye Sako. CAN Côte d'Ivoire 2023. La CAN Côte d'Ivoire 2023 s'ouvre dans un mois, précisément le 13 janvier 2024. Et l'Association des journalistes sportifs du Mali compte jouer sa partition. Au public sportif malien, elle veut offrir une couverture à la dimension de l'événement. Mais pour y arriver, les journalistes ont besoin d'appui et de conseils. Oumar Baba Traoré, président de l'Association des journalistes sportifs du Mali. La JSM entend faire participer une soixantaine de journalistes sportifs du Mali. Au-delà de ces conseils précieux, un appui de l'institution, parce que la JSM va appuyer les organes de presse présents, les journalistes présents en Côte d'Ivoire, en termes de logement, en termes de restauration. La délégation du Conseil national de la jeunesse du Mali était chez elle. L'organisation est l'une des fêtières qui a même un représentant au sein du Conseil. En venant à la rencontre des aînés, elle espère avoir des conseils et orientations pour réussir sa mission qui est de réconcilier les jeunes du Mali. Fanta Kumba Karambe, présidente du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali. En premier lieu, pour présenter le comité de normalisation, ses missions, ses objectifs, et recueillir les propositions de réforme que le Conseil a pour la jeunesse du Mali. Parce que nous savons que c'est une force de proposition et nous avons des aînés qui maîtrisent bien la jeunesse, qui ont été des acteurs de jeunesse. Donc nous sommes vraiment venus à leur écoute pour que nous puissions ensemble normaliser la jeunesse, avoir une jeunesse responsable. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katilé, a réitéré sa disponibilité à les accompagner dans leurs différentes tâches. Autre disponibilité réitérée, c'est celle du président de l'autorité indépendante de gestion des élections à la délégation de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso. En visite au Mali, la délégation s'est entretenue hier avec Maître Moustapha Cissé sur le processus électoral. L'expérience malienne semble séduire les membres de la CENI du Faso, surtout après la réussite de l'organisation du référendum constitutionnel par l'Ège. Au micro de Ardjou Matina, le président de la CENI du Burkina Faso, Élisée Ouédraogo, revient d'abord sur les similitudes de contexte avec le Mali. Nous sommes des structures qui sont en charge d'organiser des processus électoraux. Nous sommes aussi des pays en transition politique. Et qui dit transition politique dit particularité également en termes donc de gestion des processus électoraux. Alors, ces similitudes que nous avons en termes de contexte nous obligent nécessairement à examiner les défis auxquels nous faisons face et à rechercher ensemble les solutions que nous pouvons construire
pour pouvoir garantir à nos populations des élections qui aident à consolider la paix. Alors, ce cadre d'échange était très satisfaisant pour nous parce que ça nous a permis d'examiner les défis communs auxquels nous aurons certainement à faire face, mais aussi des défis qu'ont pu relever déjà l'autorité indépendante de gestion des élections ici, dans le cadre de l'organisation du référendum constitutionnel qu'il y a eu ici. Alors c'était tout à fait nécessaire que nous puissions à la fois savoir comment les choses ont été conduites, quelles sont aussi les leçons apprises par eux-mêmes de la manière dont ils ont conduit, de ce qui s'est bien passé, mais aussi par moments des difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui permettent aussi de faire des réajustements par rapport aux élections à venir. Et nous, en apprenant cela, ça nous permet aussi d'anticiper sur les mesures à prendre dans le cadre de la planification aussi des processus électoraux dans notre pays. Sur la scène internationale, au Sénégal, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko. Cette réintégration pourrait relancer la candidature de l'opposant à la présidentielle de février 2024. Il avait été radié des listes électorales à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko a donc jusqu'au 26 décembre prochain pour déposer sa candidature. En Sierra Leone, la cour d'appel ordonne l'arrestation immédiate du chef de l'opposition Samora Camara. L'ancien candidat à la présidence du Parti du Congrès de tous les peuples, APC, est soupçonné d'être impliqué dans une affaire liée à la vente des actions d'une société minière lorsqu'il était ministre des Finances. La défense de Samora Camara a fait appel hier à la Cour suprême pour suspendre son mandat d'arrêt. En revanche, son procès pour corruption reprendra lundi prochain, le 18 décembre. En RDC, le gouvernement demande l'appui de la MONUSCO pour acheminer le matériel dans des zones d'accès difficiles à moins d'une semaine des élections présidentielles, législatives et locales prévues le 20 décembre prochain. Une lettre a été envoyée mardi dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies par l'ambassadeur congolais à l'ONU. Un véritable défi logistique semble se poser. En Guinée-Bissau, la police bloque l'accès au Parlement. Un groupe de militants, dont des députés de la coalition Païtéra-Ranka, ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes hier par les forces de l'ordre devant le Parlement. Ils répondaient à l'appel du président de l'Assemblée nationale, Domingo Sonio Pereira, également leader de la coalition. Ces derniers avaient décidé de poursuivre les sessions malgré la dissolution de l'Assemblée nationale par décret présidentiel. Au Tchad, le gouvernement de transition menace de ne pas payer les salaires de décembre des enseignants en grève. Les écoles publiques du pays sont fermées depuis bientôt 2 mois en raison de cette grève. Les grévistes demandent le paiement des salaires coupés pendant la crise économique en 2016 et des arriérés. Les autorités de la transition estiment que les fonds disponibles ne peuvent permettre de payer ces arriérés qui s'élèvent à plus de 500 milliards de francs en CFA. Bruxelles accueille ce jeudi un sommet de l'Union européenne sur l'adhésion de l'Ukraine. Le premier ministre hongrois Viktor Orban reste opposé à cette adhésion. Pour lui, l'UE n'est pas en position d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine car les conditions n'ont pas été remplies par Kiev, déclare le dirigeant nationaliste qui s'oppose aussi à un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros au pays. Nous restons avec l'Union européenne. 14 États membres s'engagent à réinstaller et à admettre pour des raisons humanitaires plus de 60 000 réfugiés. Ils vont bénéficier des programmes de réinstallation du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Ces programmes permettent aux réfugiés ayant trouvé refuge dans un premier pays de s'installer dans un autre qui accepte de leur assurer une protection internationale et à terme une résidence permanente. L'annonce a été faite aujourd'hui par la commissaire européenne aux affaires intérieures. Enfin, le Congrès américain ouvre une enquête de destitution de Joe Biden. Cette enquête est motivée par les affaires controversées du fils du président américain à l'étranger. La procédure n'a aucune chance d'aboutir, mais pourrait se transformer en casse-tête pour la Maison-Blanche avant la présidentielle de novembre 2024 à laquelle Joe Biden est candidat. Les conservateurs majoritaires à la Chambre des représentants accusent le dirigeant démocrate d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Les démocrates jugent la procédure complètement infondée. Retour au Mali avec les chiffres du jour. 2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera investie dans la mise en œuvre d'un nouveau projet intitulé Convention 2022-405 avec comme objectif favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes du Mali à travers une bonne formation. L'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement assure le financement du projet lancé hier à Bamako. Le témoin de l'événement est notre reporter Soumao Aïdara.
2 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ce projet intitulé Convenio 2022-405, lancé ce mardi pour une durée de 4 ans. Financé par l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, le projet cible 3 centres à travers l'ONG Antenne de développement de l'Afrique francophone occidentale ADAFO. Biram Diagne, directeur du centre Père Michel, centre bénéficiaire. Nous sommes convaincus qu'avec ce programme, nous pourrons atteindre plus de jeunes et offrir une meilleure qualification professionnelle à nos apprenants pour une insertion socio-professionnelle plus optimale. Père Roméo Salami, directeur de l'ONG ADAFO. De façon générale, nous estimons 10 000 bénéficiaires, mais directs et indirects. Les directs, nous estimons vers 3 000, c'est-à-dire qu'ils profitent directement, mais les indirects aussi. Connaître mieux la formation professionnelle, se dit un jour je vais m'engager là-bas à cause de ce projet. Ils sont partis aussi de nos bénéficiaires et aussi d'autres acteurs qui comprennent que non, nous avons besoin de soutenir par exemple l'entrepreneuriat des jeunes qui est un élément important. Ils se forment mais il faut les soutenir. Pour la bonne exécution de ce projet, le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel s'est associé à l'initiative qui promeut l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ogobasa Sai, directeur national de l'enseignement technique et professionnel. La mission de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'enseignement technique et professionnel. À ce titre, elle est chargée de la définition et de la création des filières en fonction des besoins de l'économie. La promotion de l'enseignement technique et professionnel, tant public que privé. La coordination et le contrôle technique des académies d'enseignement. La DNTP veille à l'application correcte des programmes de formation, à la gestion des flux et assure le suivi de l'insertion professionnelle des sortants. La jeunesse malienne étant l'avenir du pays, il est important d'assurer un lendemain meilleur à celle-ci à travers une formation de qualité. Oui, une formation de qualité se passe surtout à l'école. Une école disposant bien sûr d'outils pédagogiques nécessaires pour assurer cette formation. Et la CRE n'est pas la moindre. C'est ce qu'a compris le président de la transition qui vient de mettre à la disposition des différents établissements de Bamako 800 cartons de CRE blanches et en couleur. Ces CRE sont produites par l'Union malienne des aveugles du Mali. Le président de l'UMAV qualifie ces gestes présidentiels de promotion du consommé malien. Retour sur la cérémonie de distribution du premier lot de ces CRE Made in Mali à l'Académie d'enseignement des Kalabankour avec Mohamed Namakita. 140 cartons de craie floquée UMAV, société de production des aveugles du Mali, Sopram, sont destinés aux écoles de l'Académie d'enseignement de Kalabankour. Une matérialisation de la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de rehausser les niveaux de l'éducation malienne. C'est tout le sens de cette cérémonie de distribution de craie dans la cour de l'école F à Kalabankour. Aguibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Le président, à travers ses yeux sociaux, a jugé nécessaire d'acheter de la craie à l'UMAV parce qu'on sait que nos frères non-voyants produisent de la craie de bonne qualité là-bas, mais un peu mieux connu. Le président a jugé nécessaire d'acheter à peu près 800 cartons qu'il va distribuer à différentes académies d'enseignement. C'est pour encourager les gens de l'UMAV et surtout montrer son engagement pour l'éducation. Pour les autorités locales de Kalabankour, ce geste du président de la transition vient à point nommé Alpha Mahaman, directeur de l'Académie d'enseignement de Kalabankour. Vraiment, la craie, on a besoin, parce que la craie en manque. Merci vraiment le donateur, surtout que nous avons vu que c'est la craie qui a été fabriquée au Mali et qui a été faite, n'est-ce pas, par les jeunes aveugles. Nous sommes vraiment fiers aujourd'hui. Au nom de toute la communauté éducative que je dirige au niveau de Kalabankour, nous vous disons merci. Le président de l'Union malienne des aveugles est reconnaissant pour la marque de confiance et de considération des autorités maliennes. Hadji Bari, président de l'Union malienne des aveugles. C'est le lieu de remercier le président Assimi et au-delà toutes les autorités de la transition. Et lui, il vient de donner un exemple que le consommé malien est bien possible. Lequel consommé malien fait partie du socle de Malikoura. Nous en sommes très enchantés parce que nous disons que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est d'acheter les articles fabriqués par ceux qui sont dans la pauvreté. Ce premier lot de craie de 140 cartons a été réparti entre les 5 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Kalabankour. Chaque centre a reçu 24 cartons de craie blanche et 4 cartons en couleur. Dans les prochains jours, les 660 cartons restants seront distribués dans d'autres écoles de Bamako.
Sport, football, les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs débutent demain vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. En Europe, les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont connus. Ici au Mali, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi le samedi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1, la 9e journée donne son coup d'envoi samedi avec 5 matchs au programme. Sur le terrain de l'ASB, Afrique Football Elite a fait jura contre ATS de Koro. À Setiba, sur le terrain du Stade Malien de Bamako, l'ASCO affrontera l'OS Bougouba. À Torokorobougou, sur le terrain de Djoliba AC, l'AS Black Star de Badalabougou sera opposé aux 11 créateurs de Nyarela. À Ségou, au stade Amarindao, l'AS Bakarijan de Baraouli accueillera le Binga FC. La rencontre Stade Malien de Bamako, Club Olympique de Bamako a été reportée. Le programme se poursuivra dimanche avec 3 matchs, notamment US Bougouni AS Police, Isfas US Kita et AS Ral de Bamako, Djoliba AC pour le derby de la journée. Football toujours, Ligue des champions d'Europe, tous les qualifiés pour les 8e de finale sont connus. Groupe A, Bayern Munich, FC Copenhague. Groupe B, Arsenal, PSV Eindhoven. Dans le groupe C, le Real Madrid et Naples sont qualifiés. Groupe D sont qualifiés également, Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré et Inter Milan. Groupe E, Atlético de Madrid et Lazio de Rome. Dans le groupe F, c'est le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain qui se qualifient. Groupe G, ça passe pour Manchester City et Red Bull Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le FC Barcelone et le FC Porto se qualifient. Le tirage au sort aura lieu lundi. Les matchs allés sont prévus pour les semaines du 13, 14, 20 et 21 février 2024. Coupe du monde des clubs, les quarts de finale prendront fin demain vendredi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le club Lyon du Mexique jouera contre Urawa Red Diamond du Japon. Al Ahly d'Égypte affronte Al Ittihad d'Arabie Saoudite. Cette compétition a débuté mardi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le continent africain est représenté par Al Ahly d'Égypte, vainqueur de la Ligue des champions africaine 2022-2023. Les demi-finales se joueront lundi prochain. À noter que c'est la toute dernière fois que la compétition se joue à 7. En 2025, aux États-Unis, la 21e édition rassemblera 32 formations des 6 confédérations. La leçon du sport pour terminer, la leçon du sport de ce jeudi porte sur l'histoire du volleyball. Le volleyball est avant tout un sport qui se pratique à plusieurs et qui nécessite de la coordination avec les autres joueurs. C'est donc un sport qui, en plus de ses nombreux bienfaits sur le corps, permet de renforcer l'esprit d'équipe et aide à la socialisation. Voyons comment ce sport a vu le jour. C'est dans la leçon du sport, une réalisation des Actiennes. Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs séparés par un filet qui s'affronte avec un ballon sur un terrain rectangulaire. Ce sport a une histoire. Emmanuel Kamate, directeur technique de la Fédération malienne de volleyball, nous en parle. Il a été inventé en 1895 aux États-Unis par un professeur d'éducation physique dans le Massachusetts. Le but, c'était d'occuper les athlètes pendant l'hiver. À l'origine, ça s'appelait Mintonet. To min, ça veut dire battre ou bien frapper. Bon, ce n'est qu'une année après, en 1996, que le professeur Alfred Holstit, c'est un Américain, qui a donné le nom de volleyball. Le volleyball est un sport qui présente de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. C'est dérivé du basketball et du tennis, a été créé pour être accessible à tous. Morgan recherchait un jeu qui est accessible à tous, qui puisse servir de récréation pour ses élèves. Comme c'est issu du tennis et du basket, ça doit être un sport comme un jeu de main. Et pour un peu corriger la posture, chaque fois la position assise fatiguait les élèves. Il a préféré un sport debout. De nos jours, le volleyball est devenu un sport assez spectaculaire et plaisant. Et on est le Kamate. C'est peu à peu le volley a gagné ses lettres noblesse et est devenu un sport à la fois technique, physique et spectaculaire. Bon, c'est aux alentours de 1920 que furent officiellement établies les principales règles de jeu. Sinon, pratiqué au départ, c'était une équipe de deux équipes de 9 joueurs réparties en 3 lignes.
de 3 sur des surfaces non délimitées. Souleymane Doucouré a été l'un des pionniers du volleyball au Mali. La Fédération malienne de volleyball a été mise en place en 1964 sous la tutelle du basketball. Cette page sport met donc un terme à cette édition œuvre d'un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré, devant ses micros Broma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 pour la troisième édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio.